bonjour à vous. Petit tutoriel pour mettre à jour le firmware d'un robot MBot ou MBot Ranger. Dans l'application MBlock, je viens tout simplement ajouter ici le robot sur lequel je veux travailler, donc dans mon cas, un Ranger. Je m'assure qu'il est connecté en USB. Je clique sur Connecter. Ici, on découvre ce qu'il est sur le COM6. Je clique sur Connecter et j'ai un message que mon robot est connecté et j'ai eu un bip sur le robot. Par la suite, dans les paramètres, un nouveau bouton qui est apparu. Mise à jour du firmware, donc ici, firmware en ligne, je le mets à jour et j'attends que la progression se termine. Donc, une mise à jour va vous aider à améliorer, bon, si on n'est pas dans la dernière version, améliorer les communications Bluetooth. Si votre robot répond de façon bizarre, ça se peut que ce soit également le firmware, donc c'est bien de faire ce type d'opération. Donc, une fois que la mise à jour est terminée, vous avez maintenant le firmware tout neuf et prêt à vous amuser avec votre robot. Il faut reconnecter, donc après la mise à jour du firmware, il faut simplement reconnecter le robot pour pouvoir travailler dessus parce qu'il l'a déconnecté tout de suite après la mise à jour. Bonne robotique!